est à la 32e journée et que les organismes sont un peu fatigués. Et que voilà, alors après, parce que le derby génère dans la préparation beaucoup de concentration et beaucoup de concentration. Le match en lui-même génère beaucoup d'efforts. Et qu'après, il y a automatiquement une forme de décompression. Et là-dessus, on s'aperçoit quand même que quand c'est une performance toujours de gagner un derby, c'est toujours une performance. Mais derrière, il faut les enchaîner. Et c'est quand même une question qui va être posée selon ce que l'on joue la saison prochaine. Beaucoup de déceptions pour mes joueurs parce qu'on a été à la hauteur et on a fait vraiment de belles choses. Après, je dirais que je suis fier de, encore une fois de ce qu'on a pu réaliser. Et c'est dommage de concéder ce but encore une fois dans les arrêts de jeu. On a perdu énormément de points dans les arrêts de jeu depuis le début de saison. Ça s'est confirmé là. Et après, je trouve que c'est un petit peu dommage également de manquer de discernement et de mettre un carton rouge direct à Didier Digard qui méritait vraiment pas ça. Et je dirais que la sanction était déjà assez lourde. Comment peut-on dire qu'on fait une main intentionnelle à ce moment-là du match? Enfin, c'est comme ça.